Et c'est comme cela qu'on les appelle apôtres. Et nous étudions, n'est-ce pas, avec vous, dans le cadre de l'étude conceptuelle, n'est-ce pas, d'un collaboration, partant ou même liant, n'est-ce pas, ces chaînes à l'Église. Parce que la collaboration est large, la collaboration des entreprises, la collaboration, je ne sais comment les stipuler dans ces degrés distincts. Mais ici, il s'agit de la collaboration ecclésiastique. La collaboration entre églises, la collaboration, ça veut dire entre frères, et la collaboration avec les seigneurs. Je parle ici du Seigneur Jésus. Et je suis en train de vous faire comprendre cela d'une manière beaucoup plus élargie. En sorte que déjà, au niveau du décollage, les personnes d'entre nous ne puissent, n'est-ce pas, se perdre. Déjà, au niveau du décollage, en décollant avec notre enseignement, je veux déjà que les uns les autres puissent comprendre qu'est-ce que c'est la collaboration. Et primairement, je dis, la collaboration visait les actions. Et je parlais même des actions ou l'action. Et c'est là où se résume le travail. Vous remarquerez avec moi, c'est tous les jours que je suis en train de dresser un résumé conséquent. En sorte que chacune d'entre nous soit capable de pérenniser, de propager, n'est-ce pas, cet enseignement partout où il va se retrouver. Et deuxièmement, je vous ai dit, c'est là où en fait nous développions les choses. Je vous ai dit, la collaboration vise aussi l'ensemble d'hommes. Ça veut dire l'unité. Et là, nous parlons de l'équipe. On ne peut pas collaborer quand on est seul. L'absence de Christ dans ta vie justifie réellement l'absence de la vraie collaboration. Parce que le Fils de l'homme l'a si bien dit, les renards ont des talières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Et il est clair, il y a encore un autre texte qui vient, n'est-ce pas, se joindre à cette pensée. On dit large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit, alors resserré, le chemin qui mène à la vie éternelle. Ça veut dire déjà que Christ n'a pas beaucoup de gens. Détrompez-vous de l'innombrabilité, je dirais même, de la prolifération des églises. Détrompez-vous de ça. La Bible n'a jamais menti. Jusqu'aujourd'hui, écoutez-moi, le monde attend, comme dit Matthieu, avec un ardent. De fréquentateurs et de fréquentatrices d'église. Il y a même des cela qui rentrent dans des églises parce qu'ils ont des objectifs bien assignés par leur propre ou dans leur propre pensée. Il y a des cela qui ont besoin de Jésus à cause de ce qui régale, de ce qui remplit, ce qui donne l'espace joie au ventre. Et là, nous parlons, bien aimé, de ce qui est bénéfice passager. Ça veut dire la matérialité des choses. D'autres encore, bien aimé, suivez-moi, ils viennent au Seigneur, manifestent, n'est-ce pas, cet apostolat de pouvoir les suivre, tout simplement parce qu'ils poursuivent des gains ayant trait à leur organe, c'est-à-dire les biens organiques. C'est là où le malade trouve leur part. En venant à l'église, ils ont besoin du Seigneur. Alors un Seigneur qui est capable de les guérir de leur maladie. Il y en a encore d'autres qui, bien aimés, projettent beaucoup de choses. La Bible dit, le cœur de l'homme a plusieurs pensées, mais seul le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça veut dire, il y en a de ceux-là qui essaie un peu d'extirper
à cette pensée en disant, nous, nous avons des projets, alors nous allons à l'église pour que le Seigneur nous prête main forte et que ces projets puissent s'accomplir. Mais au-delà, bien aimé, écoutez-moi, de la pluralité est-elle projetée par les hommes, nous savons également de cela une race rare qui vient pour le salut de David. Et moi, en tant que pasteur, je vous convie à appartenir, alors de manière totale, parfaite, à cette classe. Et bien aimé, écoutez-moi, adhérez-vous avec conscience. Amen. Nous venons à l'église, c'est pour les saints. Nous venons à l'église, c'est pour que l'époux, à tout moment qu'il nous visite, qu'il nous voie pareil à lui. Raison pour laquelle, mes amis, il a implanté, il a instauré et il a, n'est-ce pas, placé les ministères. Je suis ici dans la dimension d'Éphésiens chapitre 4 où l'on décrit, n'est-ce pas, la trinca-polarité. Ça veut dire, il y en a au total 5 pôles. Il y a le pasteur avec son pastoral. Il y a l'évangéliste avec son évangélisation. Il y a le prophète avec sa prophétie. Il y a l'apôtre avec son apostolat. Et il y a le docteur ou l'enseignant avec sa matière ou son enseignement. Et bien, tout cela, c'est pour, écoutez-moi, le perfectionnement des saints, comme dit la Bible, en vue de l'édification de l'Église qui est le corps du Christ. Ça veut dire quoi? La seule personne qui peut être partie ou particule de soi, c'est la personne qui peut être appelée époux ou épouse. Mais la seule personne qui peut là. Ça veut dire une partie de moi. Et ce n'est pas pour rien que le grand esprit, lorsqu'il parlait de l'église, bien aimé, il dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'édification de l'église, corps de Christ. Ça veut dire qu'il sait que nous sommes une partie de lui. Ça veut dire que nous sommes ses hommes et nous sommes sa chair. Ô Seigneur, si c'est bon, tu peux me faire grâce que je vive la lueur de la gloire qu'a vécu David et David. À un moment donné, Israël, au devant de David, ils ont dit, nous sommes des eaux, nous sommes ta chair. Ça veut dire quoi? Lui, comme les rois, alléluia, comme les conducteurs, de ceux-là qui dirigeaient, ont compris qu'il n'était pas un peuple tout court, mais il représentait l'épouse. Soyez épouse de Christ. Et bien aimé, je vous ai dit ceci, la classe est christonomique. Je suis ici en ce qui concerne l'église du Seigneur Jésus. Je parlais d'une première, c'était la classe des démons. Et je l'ai démontré dans Jean chapitre 6, 67 à 71 ou 71. Pour vous qui êtes en Belgique, vous dites comme ça. Et je parlais d'une seconde classe, toujours dans l'église du Seigneur. Quand on parle de la classe des démons, comme je viens de le dire, on fait allusion à qui? Nous avons oublié. Judas Iscariot. Il était un démon, ça veut dire capable de trahir. Il ne vise et ne cible que la tête du leader. Ne vous inquiétez pas lorsque les telles pareilles choses nous arrivent. Même dans l'église du Seigneur, ça existe. Et je vous ai en même temps, en tant qu'un bon dispensateur de grâce, ou même de connaissances, parce que la grâce c'est lui-même, bien aimé, je vous ai dit ceci, la meilleure manière, bien aimé, de s'en sortir lorsque vous vivez l'esprit de Judas, c'est la compassion pour lui. Il faut manifester la compassion. Je disais à mes encadreurs, lorsque je l'ai placé,
dans des équipes, ils m'ont posé la question s'ils vont se rappeler. Papa, quels sont les conseils que tu vas nous prodiguer? Je leur ai dit, on reconnaît un vrai dirigeant devant le groupe. Et son arbre, c'est la compassion. Alléluia. Il faut combattre pour l'État. Mais il ne faut pas se lancer en guerre. Lorsque nous nous lançons en guerre, bien-aimé, entre frères, ça signifie que nous n'avions pas compris l'évangile du Seigneur. Comment à niveau mon corps, salomabé, mais yo, vous devez m'avoir. Comme vous le savez, le Seigneur te bénira. Est-ce que je t'ai lancé pour quelqu'un cette grâce? Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Deuxième grâce, j'ai parlé de la grâce de Satan. Là, c'était l'abbé Matthieu 16, 20 à 23. La classe de Satan. Si vous vous souvenez, qui a été appelé Satan, c'est le premier pasteur de l'église. Je parle ici de qui? De Pierre. Et là, nous ne remarquons pas, Pierre n'avait pas accepté la croix. Lorsque Jésus se révéla, ou même se révélé à eux, leur disant que je dois mourir à Jérusalem, voilà de telle manière. Pierre a dit, non, me blesse même au Seigneur, pas les choses n'est arrivé là-bas. Il y a les ceux-là qui veulent servir, qui veulent prier, appartenir à Christ, mais sans le corps de la foi. La Bible dit que chacun se charge de sa foi. Et que nous sommes comme on a fait à l'hypothèse. Papa, il m'a invité dans la vie, il n'y a pas de mal. Il y a un monde mais ça pour nous, ma classe frère, je me souviens. C'était une des filles qui s'est présentée. J'étais à l'époque, je crois, en troisième grade à l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa. Et là, j'étais en bibliothéconomie et documentation comme option. Et ma faculté, c'était les sciences et techniques documentaires. Je me rappelle. C'était la dernière année où nous préparons, n'est-ce pas, embrasser, être visité, n'est-ce pas, par un jury. Alors, vous savez, en ce moment, la personne est fou, le local, ou même le local, nous sommes là tous les jours. Il y avait une certaine attitude, bien aimée, qui a créé une certaine régularité en matière de présence. Qu'est-ce qui était bizarre? La fille, un jour, il a pleuviné, c'était même pas une grande pluie. Et je ne savais pas. Bien-aimé, en y entrant, suivez-moi, j'essayais seulement de marcher sur sa belle chaussure qui était en dents. Là, c'est ce tissu qui nous donne comme du velours. Ah, toutes les parties qui ont servi de mosaïque, même à ma propre connaissance, m'ont été révélées au travers des injures. Mais par la tête de tout le à la somme de la fin de l'homme. Mais par la tête de tout le monde à la somme de la fin de l'homme. La fille m'a ramassé. Alléluia. Dans les colosses, va venir la même. J'ai été visité par M. Foulani qui habite la parcelle et voisine à la mienne. Dans la dimension des esprits, il a toujours été notre prochain. La Bible nous demande même d'être le prochain. Ça signifie le mal. J'ai été visité par une mauvaise pensée. On a béni. Béni. C'est là où tu ne peux pas me la voir. Pourquoi? Il n'y a aucun régime qui nous mène, n'est-ce pas, à se venger et qui gagne l'éternel de la spiritualité. La Bible dit, à moi la vengeance. Et c'est à moi la rétribution. Pourquoi on lit la vengeance et la rétribution? Rétribution veut dire paix au foot, restitution. Ça veut dire quoi? Quiconque
la banque des réactions célestes à côté de l'eau. Amen. Et ce jour-là, n'a pas oublié la vidéo. Un jour, je vous montrerai la personne. Je parle de cette histoire souvent, mais non, dans la tribune. Dans la tribune. Et finalement, avec gagné la personne. Qui est devenu une fille. Un persil, scénario, et conserve son vie au sein de l'ensemble à la suite des temps. Et démange, il amène la croix. Amène la croix à la femme. Même amène la croix à la femme. Amène la croix de l'église. Amène la croix dans tout ce qui se passe. Et Dieu te bénira. Un jour, mon aîné, le pasteur nouveau, il est avec des serviteurs de Dieu à la maison, m'a posé la question. Nous autres, à quel est ton secret? Quel est ton secret? Et j'ai dit au pasteur nouveau, mon secret, mon sacrifice est grand. C'est ça. La vie est faite de plusieurs réalités. Mais, non, pour sa vie, sacrifions-nous. J'ai béni mon ami Saïsaï. Voilà, c'est lui. C'est de lui qu'il s'agit. Dans un ring, il est en train de conseiller à son propre fils. Attends, qu'il est à l'isola, on n'a pas toi pour la femme. Moi, je te dis pas toi pour Christ. Est-ce que je vais vous parler de la troisième classe? Toujours dans l'église du Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler de ça. C'est la classe des profiteurs. La classe des profiteurs. Cette classe est remplie de gens qui aiment le profit, les gars. Les intérêts. Mais je ne vais pas les dire de la manière dont vous l'attendez. Venez Matthieu chapitre 20. La classe des profiteurs. Matthieu 20, 20 jusqu'à 23. Formidable. Pour toi, la vie m'a été à quoi il parle de l'amour et corbeau. Il y a beaucoup de gens qui ont été sont tous les gens qui ont été sont tous les gens qui ont été sur YouTube, sont tous les Facebook ou l'autre, WhatsApp, pour qu'ils nous l'aient. Obligata di colonia sono servito da me contro. Ma capo la gomma non ha gomma, non ha fatto la cambia, non ha gomma. Se tu mi tica da entrare, non ha fatto le voi. Cioè non è che non vede, non mi fai le voi. Però se tu sa di fai le voi. Ma non ha come una cimetiera. Se tu dici la verità, ne compone le torbe, torbe, torbe. Ti fa male, le voi come vengono, tu non ha ne compone bene. Donc, on fait ça, on fait ça dans le message. Déjà, on a la rencontre à tes on dit ce qu'on a dit, frérot. Parce qu'on a dit, frérot, pour des cas, on a mis mal à tes bateaux à vos âmes. C'est compliqué, c'est très dangereux. Il y a des sept macabres qui nous donnent l'odeur nauséabonde, qui nous éloignent de plus en plus bien les mêmes. À être qualifié, n'est-ce pas, dans notre raisonnement comme appartenant au Seigneur. Des faux leaders, des faux pasteurs, des faux serviteurs, en grand, ils remplissent les terrains médiatiques et autres. C'est dangereux que le Dieu de mon esprit vous aide. Et même également que tous, nous soyons dans la conscience de servir autres. Amen. Matthieu 20, 20 à 23. Vas-y, mon ami. Matthieu 20, 20 à 23. Je lis la parole au Seigneur Jésus. Amen. Alors, la mère des fils des Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Il y avait une femme qui a pris ses deux fils. Elle est maman, dit Bosso, la Jésus. Et s'est prosterné. Ah, c'est que j'aime. Écoutez-moi, il fait quelque quoi? Et s'est prosterné. Elle vient m'amasser, ça va tout salir. Il y a des prosternations bien aimées dans le monde de Dieu qui vont donner naissance, je vous dis, à beaucoup de reflets négatifs dans la vie même à l'homme. Si seulement ces prosternations bien aimées sont précaires ou même précairement parties dans les dehors
mais sans une conscience de la vérité. Nous sommes en mutation, adorés, accompagnés de la batange. À l'équipe, on va se calibrer, soit quelqu'un dans l'eau là, on va libérer la libérer. Le 24e, je fais allusion et le 4e d'être libre. Donc, dans une façon, battre. Ah non. Mais alors que cette dame qui vient avec ses deux enfants, c'était la femme de Zébédée. Amen. La preuve des choses, c'est que tu as l'obité. Alléluia, au majesté à toi, Seigneur. Mais avec quel objectif? Vas-y. Pour lui faire une demande. Donc, tout ce qu'elle faisait, ce n'était pas pour la demande. Ça, c'est le texte. Mais c'était pour influencer la réponse à sa demande. On n'est pas dans la fraternité lorsque nous nous approchons de lui avec un esprit adorateur, avec un esprit qui est le suivant de lui. Et nous, mais la plus que pour ça, la mission est sur la Bible. C'est ça l'église aujourd'hui. Toutes ces histoires-là, les sambas, Moussisila, Mangendende, Campus, ce sont des tendances. Si tu vas là-bas, il n'y a même pas de voie d'accès. Tout ce que tu vois comme prosternation, nous avons ça, c'est là-bas. C'est tout. Pose la question à ces gens. Combien viennent pour l'Ida de l'Omra Mata Zoo? L'Omra Mata pour témoin pour arroser la terre. L'Omra Mata, personne. La femme en quittant sa maison avait un objectif prémédité. Ami Jean et Jacques, par disciple, il y a Jésus. Est-ce que Jean et Jacques vont passer de l'homme par Jésus? Par rapport à sa maman, on va dire. Donc la femme a déjà imaginé. Ce n'était pas les enfants. Les enfants n'étaient qu'influencés. C'était l'esprit de la maman. Mais écoutez-moi. Toi qui me suis, n'est-ce pas que l'apôtre Paul regardait l'église mixte où il y avait et des femmes et des hommes. Mais il dit, je vous ai tous fiancés à un seul époux. C'est que tous à l'église, hommes et femmes, nous sommes considérés comme des femmes. Non, on a mis douleur dans sa voix. Oui, non. Et ça, jusqu'à ce que c'est lui, au lieu qu'il est né, et que Christ soit formé. C'est quand je veux que Christ soit dans ce temps. Donc, moi, c'est que papa, il t'aime au sous-sement à papa. Aucun n'a pas parlé de Jésus. On ne peut pas adorer. Personne n'a même pas sur les places. Mais bâti en termes de fausseté. Mauvaise collaboration. Ça, c'est quelle collaboration cette dame nous a mis? La femme de Zébédée. Il y en a beaucoup de femmes de Zébédée à l'église. Donc, il y a ce moment-là, dans ça, il y a ce qui n'a pas objectif, on dit qu'à mon cas, on va m'organiser. Le 21e verset. Il dit, que veux-tu? Moi, si, qu'on y a ou y a qu'à protéger ta maman, que on y est. Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici. Il y a un verbe qu'elle a utilisé, j'aime ce verbe. Fais quoi? Oh. Ordonne. Alors, il y a ce que l'on va. Pas une amour de la terre, c'est une idée. Dis seulement une parole, prononce seulement une parole. Il y a le bien ordre. C'est que tu as Yéwana, sa position est comme disent les latins, c'est sine qua non. Donc ça ne change pas. Donne l'ordre pour que les choses se passent de la manière dont je veux. Ordonne-toi, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici. On y va, on y va. Oui. Sois assis dans ton royaume. Dans le royaume. L'un à ta droite. Mon à droite. L'un à ta gauche. Mon à gauche. Papa là. Pas de mazou, pas de jean jean. Pas de disciple à Yesu. Donc, à terme, il y a qu'à sa disciple. Tout le monde. Pas de mazou, pas de mazou.
ce sont les profiteurs de l'Église. Est-ce que l'Église est une institution de cela? L'Église n'est pas un domaine de privilégié. Nous sommes dans l'État, moi c'est pasteur de commune de l'Église. Ma pasteur, qui a dit ça? La première dame n'existe pas dans l'Église. Je connais pas ce qu'il appelle les femmes, permettez-la, par rapport à quoi? Ce sont des bêtises. Nous sommes pas les mêmes, Maria, comme on va faire. C'est comme s'il a mis un ministère avant qu'il a tombé des marques sociales. Est-ce que l'église est un problème social ou l'église est un problème spirituel? Il y a souvent des là-bas. On a droite, on a gauche, on a continent. Et bon, on va bien. Il y a souvent des là-bas, on a quatre classes, quatre servants. On a une ligne qui sera Nicolas Valinda, à Konza Valinda, à sera le serviteur pour les là-bas. Pas Valinda. Tous les secrets de la gloire étaient déjà définis en amont. Dans son école, cette femme est venue avec l'idée de tergiverser. Les dons. Il faut changer. Non, l'idée est la mort. La mort. Écoutez-moi. Les profiteurs, ça ne manque pas. Je vais vous parler des six caractéristiques des profiteurs à l'église. Ou même des profiteuses, comme vous voulez. On va extrapoler les catéchèses. Les profiteurs sont généralement assistés et regroupés dans leurs opinions. Les profiteurs sont généralement assistés et regroupés dans leurs opinions. Ma camisina yé a conquis comme un maïami et mon côté comme un fanaba. Prenez des rois, chapitre 5. Ça sera l'expansion commentaire de base. Des rois 5. C'était le plus privilégié d'aller dans la vie d'Élisée. Élisée a reçu d'Élie sa grâce et à son tour après sa nouveauté. Parce que les serviteurs qui étaient avec lui, c'était Géasi. Mais Géasi n'avait rien de bénéficié. Pourquoi? Parce que Géasi, c'était la grâce. Profiteuse. Il sert la gloire, mais il n'aime pas suivre les créneaux. Il n'aime pas rester dans les principes qui donnent naissance à la gloire. Je venais de vous dire tout à l'heure, Jésus avait déjà tout dit, tout expliqué. Que si vous voulez entrer dans la gloire, n'aimez que vous. Servez les autres. Non, la femme s'est dit. La femme de céder. Non! Il n'y a pas la diable. Et puis, à nous qui Jésus, au moment où, parce que aucun des disciples de Jésus, tous les disciples de Jésus marchaient avec leur maître 24 heures sur 24. La femme a payé la main. L'homme, il a la question, 18 heures, c'est l'année de la pointe. Et ces deux enfants sont arrivés. Mais n'oubliez pas, ces enfants-là étaient poussés en pierre. Parce que tu ne peux pas nous sommes dans la pêche. Sauf qu'ils réellement le roi. Et ça qui guère à nous. Allez, allez, ma pépière. Pas de manière de ça. Ensuite, ma Oya. Donc, vous savez quoi? Comme les mauvaises choses qui fonctionnent avec la race profiteuse dans l'église,
fait son bébé, on peut dans la montée et monter. Non seulement la montée, t'as expliqué, on le voit tellement. Tu gardes ça qui? On ne peut pas s'arrêter. Ce sont des esprits qui fonctionnent dans l'église. Vous êtes l'enveloppe, vous êtes dans ma soeur, vous êtes. Mais nous sommes en train de créer une race, une classe qui va détruire l'église en descendant. Et les églises sont décédées comme ça. Deuxième Rois 5, 22 à 23. Deuxième Rois 5, 22 à 23. Il répondit, tout va bien. Mon maître m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous savez quoi? Le général Naman, Biki Naman. Mais la paix s'est lisée du logo après les années. Et le général, c'est tout. Ami, bon, la soeur, la tapoline. Qui a servi à dire. Alléluia. Amen. Et écoutez-moi. Le bon est l'homme, il a été tranché. Et pas général. Général de la monnaie, le logo, c'est le serviteur du prophète. Sûrement, c'est le prophète qui l'a envoyé. Pas respect à qui tu l'as charme. À ton lieu. Bon lieu, papa. Il répondit, tout va bien. Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire. Vous voyez, madame, ça. Maître nous a dit quelque part. Voici. Est-ce que c'est le maître qui l'envoie? Non. Pourquoi tu peux faire le coup? Il a conçu le nom de Dieu. Quand on va l'envoyer sa fête, maintenant, il y a dit à mon allié. Ouais, on se. Pourquoi tu fais monter le nom du maître? Le jour où tu commets un mal, même si vous êtes en groupe, et que le mal est immiscé l'ordinaire, ne révèle pas les autres. Amen. Amen, ta croix. Soit qu'on n'a pas dans la vérité. Donc, on est sur la capable d'église, on a des hauts, on a des mots, on a des capables d'élection. On n'était pas là. Moi, je perds ici, on a quatre. Voilà combien l'organisation de la vérité de l'organisation. Ça, c'est la mauvaise école, c'est pas l'école de Jésus. Jésus a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent ce qu'ils font. Maître de la Tigre, attirez pas la Yalomie. Voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm. On est dans ton opinion. Des personnes à mon Dieu. D'entre les fils des blancs. Toujours l'esprit des blancs. Les blancs. Tu ne vas pas m'arriver. Tu vas me citer les noms des gens pour voir la sécurité. Ou même en charge, la vie. Bon, même un mot pour voir mon petit, ça peut être un petit nom, non? Tu pas dit, je m'en dis une chose. Dans ce là, lui, peut-être, il a oublié. Alors, il a ma papa. Conséquence était à Bâti. Car si les âmes à l'âme ont des conséquences étaient, profitez donc à ma conseil. Je ne veux pas que les conséquences dans la vie vous en servent. Parce que la couleur des conséquences dépendra du même kilo des problèmes et des charges que tu as commis. C'est le domaine très dangereux. D'entre les fils des prophètes, donne pour eux, je t'ai pris, un talent d'argent et des vêtements. Naman dit, consent à prendre des talents. Il le pressa. Sois pardon. Mais comment on va lancer la vie là-bas? Et l'équipe ne voulait pas tomber. Pourquoi tu amènes des gens dans ton truc? Et là, maman, si tu es pas à la bloque, il faut que maman soit là-bas dans la cour bébé. Maman, va y aller là. Pourquoi nous que l'aide, on ne peut pas Jésus? Il est aimé cette paix de caractère. Ce sont des gens
qui est toujours et de manière générale être assisté et développé. Parce que lui seul, moi, il y a un deuxième caractéristique des profiteurs ou profiteuses, ils sont généralement pressés et rêveurs dans leur vision. Ils sont pressés et rêveurs dans leur vision. Ma soeur Lopez est là. Elle m'a invité à la RTLC. Sans que je ne les chasse, je ne les sache, disais-je. Elle m'a mis en contact. Et elle tient que je passe une émission avec un journaliste nommé Apo Ipon. J'ai dit à ma soeur, c'est pas encore le moment. Le temps que je dois ouvrir la bouche et parler. Papa, c'est la RTLC. C'est tout le monde qui te voit. Il n'y a pas une chaîne ayant la valeur de la RTLC. Elle a appelé le journaliste. Je lui ai dit, pourquoi tu es pressé là? Moi, le verset 21, toujours des rois. Au moins, mon profiteur. À ça, un mécanisme, elle est la position. Deux rois, toujours 5. On est toujours aujourd'hui. Deux rois 5, 21. Oui. Et Ekéasi courut après la main. Fais quoi? Couru. Fais quoi? Couru. Ils sont toujours pressés. Il y a même un Français, donc, et le moment de l'Obaka, le Kouta est un ascenseur. Mais la vérité, attend un escalier. Mais on doit gagner un match, c'est la vérité. Un jour, papa Théo Mabila m'a parlé ici. Ça m'a parlé. C'est comme si c'est Dieu qui l'avait envoyé. Quand il enseignait, il nous parlait de ces réalités évangéliques dans cette église. Ma classe est à bateau dans l'église. À Baloukia Tanina. Parmi à mon fils. Où ça le boit la beauté. Pesac. Je ne suis pas pasteur. Si on regarde la vie, je ne suis pas pasteur. C'est mon bien nommé. Amen. Pressé. Ma comme la moussa en train de développer sa prophétie. Ma bise par exemple, 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 ma bise par. Parce que le succès que j'ai aujourd'hui, par rapport à Yako Nazanamo, tant que Nazan est visité, où est visité? Quand on a gagné ma soeur Jenny, Nazan est visité. Ma Judith, ma mamie Lomba, est-ce qu'elle est visité? La manière qu'on a beaucoup d'attente, Dieu l'utilise et les gens venaient chez moi comme s'il y avait une cellule matinale dehors. Ça commençait même à effrayer ma mère. Il y a un moment, il faut que tu sois plus bien. J'ai dit à maman. Tambo la manette. Et que ces autres titis là, pour y avoir un désir non objectif, de manière pressée, aussi à la beauté. Tout homme, toute femme, suivez-moi. Oh, il n'a bien pris ça, ça rêve. Mes frères et sœurs,
Bonjour, pasteur. Au moins, on a oh, mon frère, ça va. Dans un verset, c'était dans mon nom, mais ce n'était pas il est au naturellement, toi, tu es dans mon église. On t'appelle pasteur. Comment? Même moi qui dois faire la démonstration canonique de ces pasteurs, je ne suis même pas au courant. Un jour je tairai sur le nom de l'acteur. Suivez-moi, mes frères et soeurs. Ça nous vient, Toyoga. Comme là, comme ça, on rabababa. Elle n'a rien vu ce qu'on a écouté. Donc, il est formé. Je dis au nom de l'acteur. Ce n'a rien à la terre. Et que ma terre, on a sauté. Et qu'elle parallèle. Soit la homme de la terre, on a dit, bah, on va s'acquitter ma pays. Bah, mon idée de ça, il y a des esprits, je dis, quand même, ma quand même, on est le premier de la classe. Pourquoi on va que l'esprit qui est en papa, c'est ça l'esprit qui est en toi? Non, mon frère, ma soeur. Ma comment ça, tu vas où là? Papa, béli, papa, béli, papa, béli, la côte à la madame, tu vas vivre. Pas de l'air, mon Dieu, tu vas dire, papa, on en est fou, il y a bouillé, il y a bouillé. Je n'ai pas besoin d'être en veste. Et vous, la semaine a passé, vous allez bien. Amen. Wow. Alléluia. Moment, tout le monde se sent considéré à moi. Est-ce que. Ou à trop pressé. Alléluia. Amen. Trop pressé. Professeur, maître, oh, yo,
sont bénéficiaires, ça ne veut pas rien. Quand tu as fait une alliance, pourquoi Dieu n'a pas des sacs et des chapeaux? Pourquoi tu vas bien les jeter? Tu veux reprendre la dignité à la personne qui t'a demandé. Comme on a eu à 5 ans. Tu es pressé pour quoi? Est-ce qu'un ministère peut faire la guerre? Les gens sont trop pressés. Mais quand on a le bail, il y a un temps de soi, on a un certain emploi dans la Bible. On va voir la mise autour de l'autre. Même si un temps de l'âge, pour ça, nous sommes amenés au Néo, on n'a pas l'idée. On ne peut pas la terre, mais on va se faire la guerre. On ne peut pas la Dieu c'est votre ami. Il est à moi. C'est vrai. Il me reste combien de minutes? Toi. Je vais créer comme ça une conclusion par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup de choses à dire. C'est le temps qui me sera peut-être un pacte. Il y a 6 caractéristiques. J'en ai décrit 2 juste. Tu es trop rêveur. Quand ton cola, tu as dit pas tout, race profiteur. Donc à côté de l'église, ce petit frère de l'Union dans la ligne. Frère Michael à l'Union, à la côté de la soie de l'autre. Colo! Donc parmi les frères béni avec les mains. À comprendre la serre de la volo au fitaté. À comprendre la serre de la notée. Non, 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 ou pas les mots, besoin de son nom. Ça va être ça avec ça. Non pas à ego. Elle est qui? Ah, on a dit nous sommes en direct. Si vous voulez me calmer, à toi me connaissez. Pressé, pas pressé. Papa, il y a une alliance maintenant. Elle se là, tout va bien. Papa, pendant que je suis en amour, je suis en amour. Je suis en combat, je suis en amour. Je suis en amour. Je suis en amour. Je suis en amour. Comment tu poses la ministère? Comment pose à presser. Pourquoi? Tu risques de rougir avec tes messages, avec tes prophéties. Au moment où on a qu'à s'assembler, ils sont commis pressés pour le cocaté bacamo, pour le cocaté la puissance de Yotoka. Nani, qui m'imite. Donc, on connaît. Moi,
chez nous, il y a tout. Pressé. Pourquoi? Quand on est pressé, on se rappelle. On va nous refaire. Trop. Tamola. Tamola. Zemi. Soki tamangwe koki. Yoranda. Attends, la douleur est l'équipe de la route. Quelle va l'opérer? À vous mesurer. Sans la monnaie, comme les associés, des milliers de millions de macabres, 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 Shalom, shalom, shalom.